Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle saison de votre émission Le pour et le contre sur les ondes de la télévision communautaire de Grande-Rivière, saison 2016-2017. Encore une fois, cette année, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio la réalisatrice de cette émission, Jocelle Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir, Jocelle. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Passe un bel été? Très bel été. Pas trop rêver au pour et le contre, penser à des sujets durant la période estivale? Oui, quand même. Là, j'ai eu pas mal d'idées que j'ai notées et les gens m'en donnent également. Donc, je pense que ça va être une belle saison. En tout cas, toute l'équipe de la télévision communautaire de Grande-Rivière est très heureuse de t'accueillir encore une fois comme réalisatrice cette année. On te remercie beaucoup de ton implication en tant que bénévole à la télévision et réalisatrice, bien sûr. Bien, merci pour cette belle opportunité que vous me donnez de faire ces émissions-là. J'imagine que c'est un plaisir de retrouver les gens aussi sur Internet, de par, j'imagine, ta page Facebook en ce qui concerne les petits sondages qu'on fait par rapport aux différents sujets que nous allons traiter durant la saison 2016-2017. Bien, exactement. En fait, les gens, il était temps que ça commence parce que les gens me disaient « on a hâte de placoter sur des sujets, ça commence-tu bientôt? » Donc, les gens étaient... c'était attendu, disons que ça a pas mal commenté. Et tu me disais en préparation d'émission, juste avant de commencer à tourner tout à l'heure, qu'il y avait quand même eu pas mal de réactions en ce qui concerne le sujet de cette semaine. Effectivement, donc c'est un sujet qui a fait pas mal les manchettes ici au Québec, mais aussi ailleurs, beaucoup en France, entre autres. Donc on parle du burkini. Pour expliquer un peu ce qu'est le burkini, c'est une espèce de maillot porté surtout par les femmes musulmanes. En gros, ça cache tout sauf le visage, les mains et les pieds. Donc, on va voir des exemples à l'écran de burkini. C'est un peu ça. Et c'est important de montrer parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que le visage est totalement voilé. C'est pas le cas. On voit le visage et généralement, soit les mains ou les bras, et soit les jambes ou une partie, seulement les pieds. Donc, il y a d'autres images aussi. Il y a certains qui disaient ben c'est pas pire qu'un wetsuit en bon français, comme on voit à droite. Un dry suit, oui. Une pièce, c'est le dry, puis deux pièces, c'est le wet. Mais ça se ressemble tout de même. Ah, bien, merci pour la précision. C'est ça, c'est pas trop mon domaine. Donc, ça revient dans les arguments que, pourquoi faire de la discrimination? C'est un peu la même chose dans le fond. Et il y a une autre image, ça m'a vraiment frappée parce que j'ai beaucoup regardé les Olympiques de Rio. Et cette image-là du volleyball, donc on voit à droite l'équipe égyptienne et à gauche, la plupart des joueuses étaient légèrement vêtues, mais à un niveau que moi, sincèrement, je me disais, ça n'a pas de bon sens. Il devait faire chaud. Je sais pas. En tout cas, c'était quand même, c'est un goût personnel à moi. Là, je trouvais que c'était peut-être trop léger. Mais on voit l'extrême à droite. Donc, peut-être un petit rappel par rapport à l'introduction que tu viens tout juste de faire. C'est les gens qui le portent, c'est dû à une religion qu'ils pratiquent, valeurs personnelles. Ben, exactement. Généralement, c'est des femmes musulmanes. Ça dépend toujours de l'interprétation, parce que c'est pas toutes les musulmanes qui le portent. Mm-hmm. Donc, certaines musulmanes, c'est selon les enseignements pour ne pas attirer les regards des hommes. D'accord. Par... modestie aussi par rapport au corps, tout ça. Donc, c'est un peu l'idée, là. Et naturellement, dans le cadre des Olympiques, ça a un impact plus grand et ça fait nécessairement, ça crée des discussions et ça fait en sorte qu'on le remarque d'autant plus, étant donné la diffusion à la télévision et tout ça. Disons que ça faisait parfois des images très, très contrastées à la course, à l'athlétisme, tout ça, mais au volley-ball, c'était le plus flagrant parce que déjà, au départ, les joueuses de volley-ball, souvent, c'était quand on dit léger, c'était léger, là. C'était vraiment... ça a amené tout le débat en même temps par rapport aux Jeux olympiques. Puis, qu'est-ce qui a amené que ce soit dans les manchettes, dans le fond? C'est beaucoup en France, en août 2016, donc il y a une trentaine de maires qui ont décidé d'interdire le burkini sur leur plage. Et cette décision-là a finalement été renversée par le Conseil d'État. Ça a vraiment fait beaucoup de problèmes en France. Ça a divisé la population, les politiciens. Finalement, la décision a été renversée. Mais il y a quand même encore beaucoup de gens en France qui aimeraient l'interdire, qui trouvent que ça n'a pas sa place, l'image que ça représente, etc.
L'image de la femme, bien sûr. Bien, la femme soumise, la femme qui doit se voiler comme si le corps, c'était honteux. On ne doit pas le montrer, que ça attire le regard des autres, que c'est la faute de la femme, dans le fond. Et, donc, c'est toute cette image-là un peu macho aussi. Et ironiquement, pendant la recherche que j'ai trouvée qui m'a fait sourire, c'est qu'au Maroc, donc qui est un pays où il y a beaucoup de musulmans, certaines piscines interdisent le burkini. Ça met les choses en perspective un peu, là. D'accord. Bon, je te laisse poursuivre avec, évidemment, il y a beaucoup de nos élus qui ont commenté la situation et on a des citations. Au Québec, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, déclare « Une femme a le droit de se vêtir comme elle le souhaite. Les femmes qui sont vêtues de façon un peu plus choquante aussi par moment. » Donc, c'était une prise de position qu'elle a prise devant les médias, c'est bien ça? Exactement. La ministre Christine Saint-Pierre a soulevé l'importance de ne pas les stigmatiser. On veut les aider à s'épanouir, oui, comme femmes, et c'est la raison pour laquelle on travaille avec elles. Donc, faire attention aussi de ne pas créer un impact aussi grand de ce qu'on avait vu en France, j'imagine, au niveau du discours politique qu'on a retrouvé au Québec, là. Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est bien beau vouloir interdire quelque chose ou juger les femmes qui portent le burkini, mais il ne faut pas oublier l'être humain derrière ça. C'est dans ce sens-là qu'on dit ne pas les stigmatiser, les mettre de côté, parce que déjà, pour certains, ils vivent des choses pas nécessairement faciles. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Ça demeure aussi un sujet encore sensible au Québec en ce moment-là. Oui. Du côté de l'opposition, la députée de la CAQ, Nathalie Roy, et je cite, « C'est un symbole qui est très grave. Ce qu'on veut faire, c'est cacher le corps de la femme, accepter le burkini, c'est admettre que le corps de la femme, c'est un objet de tentation et qu'on doit absolument le faire disparaître. » Ça revient un peu à l'argumentaire que tu amenais tout à l'heure. Oui, exactement. Donc, la plupart des gens qui sont contre le burkini, c'est un peu pour cette image-là, de la femme soumise, qu'on reproche à certains courants de pensée de l'islam. Je pèse mes mots parce que c'est pas, faut pas généraliser non plus. C'est pas tous les musulmans qui sont pour le burkini. Donc, ça dépend du courant de pensée aussi. Là. Et jusqu'où peut aller la liberté d'expression dans ce cadre-là aussi? Là. Oui. Donc, j'imagine que ça a quand même assez réagi sur ton réseau social personnel. On y va toujours avec les arguments contre et les arguments pour. Oui. On débute avec les arguments contre. Oui, parce que la plupart des gens étaient pour. J'aurais cru l'inverse. Et donc, il y avait vraiment une nette tendance. Donc, je préférais terminer avec ce que la plupart des gens pensaient. Oui, un peu positif. Ouais. J'imagine que le fait que l'ensemble du visage ne soit pas caché a peut-être eu un impact. C'est une opinion tout à fait personnelle, mais est-ce que tu ressens ça? Oui, bien, au début, il y avait beaucoup de commentaires du fait que pour la sécurité nationale, il faut qu'on soit identifiable. Mais après, il y a des gens qui ont mis des photos pour non, non, le visage n'est pas caché. Mmh. Et là, on a vu la tendance se renverser, que les gens étaient plutôt favorables en général. Ça aurait pu être une émission aussi simpliste que le pour et le contre de la casquette, hein? Casquette à l'école. Oui. Ça pourrait être un sujet intéressant. Oui, on pourrait peut-être associer, mais c'est un tout autre sujet aujourd'hui. Donc, on y va avec des arguments contre. Je te laisse débuter. D'accord. Donc, ça véhicule un mauvais message. On a JV qui nous dit « Le burkini représente l'islam radical, l'État islamique. » Est-ce que c'est considéré comme ça pour les musulmans en tant que tels? Non, bien c'est ça. Il y a eu beaucoup, les personnes qui donnaient cet argument-là, beaucoup après ça répondaient pour dire c'est pas du tout l'islam radical. Tu as des musulmans qu'on va dire modérés qui vont être en faveur du burkini pour différentes raisons. Oui, l'islam radical va être en faveur du burkini, mais les gens me faisaient la remarque qu'en fait, l'islam radical, les femmes n'iront même pas sur la plage, carrément. Donc, c'est vraiment autre chose. Quand on parle d'islam radical, on parle vraiment plus d'une secte. Et à ce niveau-là, les femmes, souvent, ne seront même pas vues en public. Déjà, le burkini, ça serait déjà trop. Est-ce qu'à l'intérieur de la recherche que tu as effectuée, tu as retrouvé certains témoignages qui allaient à défendre cette prise de position-là d'une femme musulmane, justement? Les femmes musulmanes qui étaient en faveur du port du burkini ou qui le portaient elles-mêmes et qui défendaient cette... Exactement comme le voile. Il y a des femmes qui portent le burkini par choix, qui disent « c'est pas mon mari qui demande ça, c'est moi personnellement. Ça représente ma personnalité plus,
pudique, si on veut. Des fois, ça n'a aucun lien avec la religion. Des fois, c'est simplement par pudeur. Donc, et vous allez voir que c'est revenu dans les arguments un peu plus loin en faveur du burkini, des femmes qui se disent pas à l'aise d'être en maillot de bain sur la plage. N'a pas sa place dans une société laïque, un commentaire de JL. C'est un vêtement qui utilise la religion pour rabaisser les femmes. Dans une société égalitaire et laïque, ce vêtement représente tout le contraire. Je suis écœuré de ces foutus accommodements. Donc, on sent un peu de fatigue là, du discours qui dure quand même depuis plusieurs années en ce qui concerne d'autres genres, si je peux en guillemets dire, habits à porter de la part de la femme musulmane. Mais c'est quand même, comme je le disais en introduction de l'émission, un sujet qui est toujours sensible. Bien, il y a une espèce d'effet d'accumulation. Il y a des gens qui ont une écœurantite aiguë, je ne se gêne pas pour le dire. Toute l'histoire des accommodements, on a souvent l'impression que c'est flou, c'est pas réglé. Donc, il y a des gens qui sont tannés que ça revient toujours, cette question-là. Donc, ce genre de commentaire-là est revenu quelquefois aussi. On essaie d'avoir une société plus laïque, donc on ne voit pas de signes religieux très évidents. Donc, pour beaucoup de gens, quand ils voient un burkini, c'est un signe religieux. Ils ne le voient pas d'une autre façon que ça, donc ça les irrite énormément. Et un commentaire tout à fait personnel, c'est que moi, personnellement, je ne faisais pas nécessairement la différence entre le voile intégral. Bien, le voile intégral, peut-être que c'est quand même assez difficile de ne pas voir la différence entre les deux, mais le voile traditionnel versus le port du burkini, là, c'était difficile de savoir qu'est-ce que ça pouvait représenter exactement selon la religion musulmane. Donc, c'est difficile de se faire un jugement, et souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est facile d'aller du côté négatif. Hein. Exactement. Donc, la première, c'est pour ça qu'en débutant l'émission, je trouve important de mettre premièrement des photos, que les gens voient c'est quoi. Parce que moi-même, au départ, je pensais que le visage était caché. Mm-hmm. Carrément. Là, j'ai vu que ce n'était pas ça exactement. Puis c'est un des arguments forts hein, au niveau du Québec, là, de pouvoir voir le visage là, au niveau du port du voile, quel qu'il soit. Là. Exactement. Autre argumentaire dans les arguments contre. Donc, un wetsuit serait plus approprié. On a FB qui nous dit « À la place, elle devrait mettre un wetsuit à capuchon comme le font certaines qui font de la plongée ou autres sports nautiques. » c'est un argument. Moi, je mets tous les points de vue. Parce que je suis persuadé qu'il y en a un qui est plus confortable que l'autre et beaucoup moins chaud. Ça, je peux le confirmer par expérience personnelle. Oui, c'est... En plein été, sur le bord d'une plage, là, et monsieur. C'est quelque chose. Je pense que je voterai pour le burkini. C'est sûr que c'est... Puis ça a revenu aussi un peu dans les un arguments. Un peu moins étanche, mais beaucoup moins chaud. Beaucoup moins chaud et c'est pensé. Hein? Les gens disaient, ces gens-là viennent de pays beaucoup plus chauds que le nôtre. Ils savent comment s'habiller en fonction de la chaleur. Des fois, on voit des personnes arabes dans le désert avec des grands robes, puis justement, ça a une fonction pour la chaleur. Là. Et apparemment, c'est tout à fait approprié de porter ces grands vêtements-là, oui. Amples. Moi aussi, je ne comprenais pas à l'époque. Je me disais pourquoi ils n'ont pas t-shirt, culotte courte ou être moins habillé que ça, mais au contraire, ça les protège de la chaleur. Exactement. Donc, ils ont quand même hein, des centaines d'années d'expérience au niveau des déserts. Donc, c'est une tenue plus adaptée. Donc, le burkini, c'est aussi en lien avec ces climats-là. Donc, il semblerait que c'est quand même pas si chaud que ça. C'est fait pour le tissu, tout ça. Donc, c'est ça. Il y a des gens qui se disent, ben pourquoi pas mettre un wetsuit à capuchon? Mais c'est ça, comme tu dis, il faut essayer un wetsuit pour voir que c'est plus chaud. Dans le fond, c'est faire référence au fait que ça a l'impact de la société lorsqu'on porte le burkini. Ça envoie un message et c'est souvent interprété de cette manière-là en ce qui concerne la liberté et les droits de la femme. Exactement. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments contre, est-ce que c'était mon tour? Oui. Ah, c'est à moi. Donc, renvoie à une image forte et dérangeante, commentaire de IT. Je ne peux pas nier que ça me met mal à l'aise malgré mes bonnes intentions. C'est comme si j'avais un coup de patriarcat dans la face à chaque fois, même si je sais que c'est plus complexe que ça. Alors, patriarcat, société axée sur l'homme en tant que tel, comme chef de famille, si je l'interprète bien. Oui, l'homme et femme soumise, etc. Il y a des sociétés matriarcales, par exemple, les autochtones. Exactement. Donc, c'est sûr que j'ai aimé ce commentaire-là parce que moi, personnellement, on a fait une émission sur le voile et je disais que... le voile qui n'est pas intégral, seulement le voile sur les cheveux, j'ai pas de problème avec ça, c'est une question de liberté. À la limite, le burkini, je n'ai pas de problème avec ça,
Mais si je suis très sincère, quand je vois un burkini et un voile, ça me renvoie l'image d'une femme soumise. Même si ce n'est peut-être pas le cas, c'est automatique. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à un choc culturel? Oui, ouais, ça vient me chercher dans les années de lutte des femmes pour devenir autonomes, pour ne plus être soumises. Donc, quand je vois ça, honnêtement, c'est sûr que ça me renvoie là. Même si je sais que c'est peut-être pas la femme, elle n'est peut-être pas du tout soumise. Là. Donc, ça fait un peu référence à l'histoire aussi de l'évolution des droits de la femme au Québec plus particulièrement. C'est peut-être pour ça que ça crée peut-être un certain choc lorsqu'on voit une femme aller de l'avant avec ce genre de... Mais ça fait quand même référence à des valeurs tout à fait personnelles pour celui-là qui le porte. Exactement. Mais c'est quand même intéressant comme réflexion. Et ça n'a pas dérapé, j'ose être assez curieux pour le demander. Non, en fait, je pensais devoir mettre une mise en garde parce que dans des sujets, dans le passé, à ce niveau-là, ça dérapait beaucoup. Oui. Et non, je n'avais pas mis de mise en garde et les gens étaient très respectueux. Et de toute façon, si quelqu'un met un commentaire qui, à la limite, raciste ou xénophobe, il y a quelqu'un qui va le reprendre. Donc, ça s'auto... Les gens sont très civilisés et je les remercie parce que c'est des sujets sensibles. C'est des sujets que les gens, des fois, c'est émotif. Hein? Des fois, on peut dire des choses qui dépassent un peu notre pensée, mais ça s'est bien passé. Ça vaut tout de même la peine d'en faire une tribune et nous, on fait très attention aussi aux commentaires qu'on va mettre en ondes, bien sûr. Bien, je respecte tous les commentaires. Moi, l'important, c'est vraiment de montrer les deux côtés de la médaille. Il y a des arguments que je ne suis pas du tout d'accord, mais c'est important de mettre l'argument en valeur. Mais c'est sûr qu'il y a certains commentaires que je censure. Et nous, on doit le dire dès le départ qu'on est pas mal pro-Charte des droits et libertés. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est quand même assez important. Et j'irais même jusqu'à peut-être faire référence aux gens à l'émission dont tu discutais tout à l'heure, faisais référence. C'était un pour et le contre de la dernière saison, je crois, où on avait vraiment un descriptif de l'ensemble des habillements qui pouvaient être utilisés par la femme musulmane. Et ça vaudrait la peine peut-être d'aller voir cette émission-là dans les archives de TVCGR pour vraiment avoir un portrait global. Là. Il ne manquait, dans le fond, que le burkini exactement. À cette émission-là. Ouais. Exactement. Donc, ça vient un peu compléter la saison. C'est un beau complément de notre précédente émission là-dessus. Donc, au tvcgr.com, bien sûr. Maintenant, on y va avec les arguments pour et peut-être même des arguments contre qui se sont transformés en arguments pour au fur et à mesure que la discussion a évolué. Oui, il y a des arguments aussi. Il y a beaucoup de choses auxquelles je n'avais pas pensé. Et vous allez voir un peu plus loin, là, il y a des arguments aussi qui faisaient sursauter certaines personnes et je vais l'expliquer aussi. En général, les gens étaient favorables au burkini, mais on me disait tout le temps, en autant que le visage est découvert, ça va de soi. Et certains rajoutaient, en autant que c'est un libre choix. Ça revenait souvent, ça aussi. Et libre choix est la clé à l'intérieur de cet argumentaire-là, tant qu'à moi. Là. Oui. Je débute encore une fois avec les arguments excusez-moi. Donc, protège du voyeurisme, un commentaire de PS. Honnêtement, je ne me sens pas à l'aise de porter un maillot de bain en public. Je ne suis ni grosse ni affreuse, mais je déteste les regards indiscrets. Alors, je les comprends parfaitement. Argument qui me paraît quand même assez solide. On n'a pas toujours le body de Brad Pitt pour les hommes quand on se promène sur le bord de la plage. Je peux comprendre qu'une femme, des fois, aimerait peut-être en habiller plus. Des fois, ça va être simplement un t-shirt slack avec c'est sûr, gros chapeau de cowboy. Il y a quand même du je sais pas au niveau des hommes, mais au niveau des femmes, si on est sur une plage en maillot de bain, on se fait regarder. Tu sais, puis c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, je les comprends. Puis il y a des gens qui sont pas subtils non plus dans leur façon de regarder. Tout à fait vrai. C'est que des fois, ça te tente pas. L'as-tu déjà vécu ou... Oui, c'est vécu. Je fais partie de la même équipe. Fait que des fois, tu sais, c'est dérangeant, c'est comme elle le disait, c'est pas nécessairement parce qu'on se trouve gros ou qu'on s'aime pas. Bien, mais un simple regard, des fois, peut blesser. Hein? Oui, ça te tente pas non plus de te faire regarder comme un morceau de viande, carrément. Là,
Tu sais, si tu vas sur la plage pour relaxer, je veux dire, il y a des gens, il y a des regards là, qui sont déplacés carrément. Puis cette personne-là, c'est ce qu'elle disait, qu'elle le comprenait. Elle l'interprète, je crois, et j'espère ne pas me tromper en disant ça, comme un vêtement qui vient, dans le fond, habiller la personne en question, tout simplement. Exactement. Et sans porter de jugement sur le nom qu'il porte exactement, c'est-à-dire le burkini. Exactement. Puis, donc, c'est une autre culture, la culture musulmane. Et à première vue, je ne suis pas spécialiste, mais à première vue, je pense que les femmes musulmanes sont souvent plus pudiques que les femmes nord-américaines. Donc, c'est peut-être aussi souvent par rapport à la pudeur davantage que pour un précepte religieux, etc. Donc, il y a ça, il ne faut pas qu'on perde de vue non plus, là. Bon argument. Donc, Pays libre, SD qui nous dit qu'une femme décide de se vêtir d'une façon ou d'une autre, que ce soit par croyance religieuse, de la façon qu'elle se voit ou de la mode, qui serais-je pour juger tant que je puisse l'identifier? Alors, ne serait-ce pas cela la véritable liberté d'être une femme au Québec ou au Canada? Exactement. Il faut s'attendre à ce que, admettons qu'on enlève le burkini, ça crée tout un précédent. Et il y a peut-être des choses que nous, on fait, des choses que nous portons, qu'on va se faire juger à notre tour. Tu sais, la limite va être... Oui, c'est ça. C'est... Et si on décidait que de porter une casquette des Nordiques, ce n'est pas approprié en société? On pense... Je ne pourrais pas m'empêcher de la glisser. Oui. Donc, mais ça peut aller très loin. Donc, des fois, moi, je pense, j'ai une idée. Je me suis en secondaire, je voyais des jeunes avec des chandails au message douteux. Qui faisait l'éloge de la drogue ou des traits très, très violents. C'est bien de souligner. Tu apportes quelqu'un. Donc, bon il y avait eu un débat. Est-ce qu'on devrait interdire les chandails avec des fleurs des feuilles de pote ou les chandails où c'est très satanique ou très violent? Mm-hmm. Donc, si on enlève les burkinis, est-ce qu'on va aller plus loin? Il y a ça aussi qu'il faut se demander. Là. Ça nous fait prendre conscience aussi que souvent, ce que l'on porte va être des fois la suite d'un message qu'on peut vouloir envoyer à la société. Hein, exactement. Que ce soit en ce qui concerne un trait de personnalité qu'on veut mettre de l'avant ou une certaine révolte qu'on peut avoir par rapport à la société en général. Exactement. On n'a pas tous les mêmes valeurs, on n'a pas tous les mêmes choses qui nous choquent. Burkini, ça peut en choquer un, pas l'autre. Un chandail satanique, moi, ça va me choquer. Un autre, il va trouver ça drôle. Oui. Donc, c'est... Chaque personne est très différente. C'est dur de mettre des limites, des barèmes. Ça, c'est interdit. Ça ne l'est pas. C'est vraiment difficile de faire la part des choses. Exactement. Tout en respectant les droits de chacun. Oui. Autre argumentaire pour « Les gens ne sont pas tous à l'aise avec leur corps », un commentaire de RB. « Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent avec leur corps, pas pire que les femmes complexées qui décident de garder un type. » Mon Dieu, j'ai l'impression de me réentendre. « Un T-shirt à la plage, doit-on leur dire de les enlever? » Non. Et de façon... point d'exclamation. Ce commentaire-là a vraiment fait sursauter parce que la personne a fait le commentaire sans mauvaise pensée. Je comprends l'idée, là, puis c'est vrai, je connais beaucoup de personnes qui ne portent pas de maillot parce qu'elles sont complexées. Mais ça fait sursauter une personne qui dit... Wow, c'est pas juste les gens complexés. Moi, je ne suis pas complexée, mais j'ai pas envie de m'exhiber. Donc, il y avait eu un bémol à ce commentaire-là. Je comprenais les deux, leur point de vue. Mais oui, je connais... à une époque, disons à l'adolescence, j'avais un bon surpoids. J'étais pas à l'aise d'être en maillot de bain. J'avais un t-shirt par-dessus, puis tout ça. Donc ça, je comprends très bien. Je m'aimais pas. Et c'est moins pire maintenant, mais je suis quand même pas à l'aise de me promener en maillot partout. C'est moins dans ma personnalité. Ça nous fait prendre conscience du regard de la société, ce que ça peut avoir comme conséquence sur notre mode de vie de tous les jours, en tant que citoyen. Là. On se fait énormément juger. Moi, j'entends des commentaires, j'ai déjà fait une émission là-dessus, là, mais j'entends des commentaires, si une personne avec un excès de poids va se chercher une crème molle, j'entends des fois des commentaires, ben gars-là, elle s'en va. Puis si une personne mince y va, il n'y aura pas de commentaire. Il y a beaucoup de discrimination envers les personnes avec un surpoids. J'étais témoin de ça, moi. Et il y a des discriminations aussi envers les personnes minces. Ils vont, disons, dans les deux côtés. J'ai été dans les deux côtés, puis j'ai vécu la discrimination des deux bords, puis c'est pas le fun. Soit que tu es trop maigre, soit que tu es trop beau, soit que tu es trop gros. Il y a tout le temps quelque chose qui marche pas.
Donc, c'est pas évident. Donc, je comprends que tu as envie d'aller sur la plage avec un t-shirt, qu'à un moment donné, tu es tanné de te faire regarder dans un sens ou dans l'autre, puis d'avoir des remarques plates ou juste les regards. Des fois, là, tu vas avoir un groupe de personnes, tu sens par leur regard qu'ils sont en train de juger parce qu'ils te trouvent trop mince, trop grosse ou peu importe. Donc, je pense que les gens ont le droit d'aller à la plage habillés comme ils veulent. Et heureusement, ou du moins je le souhaite, il y a des gens avec l'âge et puis la maturité, on arrive à se faire une certaine carapace et à passer outre le regard des autres par rapport à notre mode de vie actuel. Bien, on finit par réaliser... Ce qui est très reposant au niveau psychologique, d'ailleurs. Bien, on peut pas plaire à tout le monde. On finit par se dire, bien, s'ils sont pas contents, qu'ils regardent ailleurs. Mais ça vient tout le temps nous chercher quelque part. Malheureusement, l'être humain juge beaucoup. À partir du moment où ce qu'on porte ne vient pas brimer le droit à la liberté et au respect de la personne qui est à côté de nous autres, je pense qu'il y a manière d'avoir quand même un équilibre là, qui fait en sorte qu'on ne met pas de l'huile sur le feu par rapport à des prises de position qui pourraient vraiment faire déraper le sujet. Là. Exactement. Puis, c'est toute une question aussi d'interprétation. C'est beaucoup revenu que ce qui dérange dans le burkini, ce n'est pas le vêtement, c'est l'interprétation qu'on en fait. Une personne expliquait ça, que dans notre tête, souvent, on va dire, OK, islam radical, mais le vêtement en tant que tel, comme on le disait, c'est comme d'autres vêtements pour faire du sport nautique. Le problème est où exactement? Donc, c'est beaucoup l'interprétation. C'est pas parce que tu portes une casquette des Nordiques que tu es un Nordique radical. Dans mon cas, mais un c'est peu. C'est bon l'argument que tu viens d'apporter. Ouais. J'y adhère à 99,9%. Ouais. Ouais. Donc, autre argumentaire? C'est moi? Oui, campagne de peur, on est rendu campagne là. Campagne de peur, SD. On est de bonne heure dans les saisons pour plus savoir c'est à qui le tour. Oui, mais là, je pense que c'est rendu un classique entre nous deux. On rentre dans notre sujet, on est passionné par la conversation immédiate, puis là, on ne sait plus si tout vous perd, c'est ça. On va se pratiquer. Oh, oui, oui, c'est la première. Oui, c'est ça. Soyons indulgents. Campagne de peur, SD. Les gens mélangent islam radical, Daesh et les musulmans, mais avec le temps, on va peut-être comprendre que dans le fond, c'est des humains comme nous. Donc, ça, c'est... Valeur de Star Trek. Oui, c'est ça. Oui, non, c'est carrément c'est ça. Hein? On est des passionnés de Star Trek depuis que il y a le dernier Star Trek au-delà qui est sorti pendant la période estivale. J'ai fini par te convaincre d'aller voir cette série qui a commencé à la télévision. C'est le 50e anniversaire. Exactement. C'était dernièrement, on fêtait la diffusion au mois de septembre. On fêtait la diffusion du premier épisode de Star Trek. Et puis, les valeurs sont très humaniste, qu'on dit, oui, voilà. À l'intérieur de cette série-là. Et d'ailleurs, ben c'est ça, les gens qui sont sur mon Facebook rient sûrement là, en ce moment parce qu'ils savent que je donne une grosse face Star Trek. Il y a beaucoup de choses sur mon Facebook Star Trek. Et justement, je vais faire une capsule un peu plus tard sur, pour souligner le 50e, et le phénomène de société, parce que c'est pas juste une série télévisée, c'est un phénomène social. Tout à fait. Qui a changé la société. Donc, j'aurai l'occasion, parce que je sais que tu es un grand fan aussi, tout à fait. D'en reparler. Alors, pour en revenir à l'argument de SD, effectivement, il ne faut pas oublier que sur la planète Terre, nous sommes tous des humains, oui, à part entière et surtout égales l'un par rapport à l'autre. Oui, pas facile de l'appliquer tous les jours, cet aspect-là, mais ça devrait être ça dans un monde idéal. Et je mets toujours en parallèle, bon, on juge beaucoup les musulmans en prenant comme exemple l'islam radical et on pense que les musulmans sont tous comme ça. Mais si on se basait sur certains prédicateurs dans le sud des États-Unis pour juger la religion catholique, Seigneur, c'est épouvantable. Mm-hmm. Il y a des sectes, appelons, on va les appeler comme ça, qui incitent au meurtre, par exemple, des femmes qui se font avorter, aussi loin que ça. Donc, il ne faut pas juger selon des petits groupuscules qui ont des idées vraiment radicales, là. On ne le dira jamais assez. C'est ça. Puis la personne qui a fait ce commentaire-là disait aussi que les médias, parfois, embarquaient là-dedans. On est bombardé de tous bords, de tous côtés, par toutes sortes d'affirmations et de discours qui, parfois, là, par manque souvent d'éducation et de culture de notre part, parce qu'on ne peut pas se vanter. Qui peut se vanter de connaître à 100% l'ensemble des religions qui peuplent la Terre? Là, je veux dire, à quelque part, il y a des limites à avoir la tête enflée. Mais c'est facile, des fois, de porter des jugements sans réellement comprendre la situation puis tout ce qui entoure cette prise de position-là de la personne en question. Surtout que
souvent, ces peurs-là, ben, ça vient de personnes peut-être qui n'en connaissent pas. C'est la même chose pour l'homophobie, pour toutes ces choses-là. Donc, moi, j'ai des amis musulmans, puis j'ai cité souvent d'exemples des Libanais qui vivent à Montréal, très bien intégrés, totalement modérés. Ils m'envoient même des cartes de Noël catholiques à Noël, parce qu'ils savent que je suis catholique, mais ils sont musulmans. Mais c'est épouvantable! Ça n'a pas de bon sens! Donc, en tout cas, moi, tous les musulmans que je connais, c'est ça, tous les musulmans que je connais, moi, sont tout à fait intégrés et corrects. Donc, mais c'est ça, il va toujours avoir des radicaux dans toutes les religions et cultures. Puis c'est peut-être un peu, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est peut-être un peu bizarre, on les voit pas souvent dans les médias ou mis de l'avant, ceux qui sont parfaitement intégrés d'ailleurs. Exactement. Donc, un, par exemple, qui parle souvent, c'est l'humoriste. Rachid Badouri? Non, qui faisait l'émission Un Kiwi des hommes. Il demeure à Rimouski. Biologie. Boukhar Diouf? Boukhar Diouf. C'est un très bon exemple. Et lui, quand il parle en entrevue, très intéressant, très intégré, il en parle beaucoup. Donc ça, c'est un très bel exemple, je pense. Bien, félicitations, notre régisseur. Il suit autant que notre ancien régisseur, Kevin. Une chance qu'il est là. Félicitations, mon ami. Tu fais partie de l'équipe. Donc, je suis encore perdu. C'est à toi, je pense. Bon, donc, on doit un commentaire de DL. On doit accueillir l'autre dans sa différence. Moi, ça ne me dérange pas vraiment. Nous les avons accueillis comme elles sont. Bien, c'est un beau geste de solidarité par rapport à l'accueil des migrants, ça. Oui, exactement. Donc, quand on accueille des immigrants... on espère qu'ils s'intègrent à la société, mais on ne leur demande pas d'abandonner leur culture, leur tradition, etc. Donc, on les accueille comme ils sont. C'est fort ce que tu viens de dire là. On ne leur demande pas d'abandonner leur culture. En soi, c'est un geste de respect de la liberté, ça, de penser dans ce sens-là. Et on aimerait être traité de la même façon. C'est tellement vrai. Il ne faut pas oublier que... L'ouverture d'esprit versus le respect de ses propres valeurs, des fois, c'est là où l'équilibre n'est pas nécessairement parfait, là. Hein? Donc, non, je pense que c'est un bon commentaire, justement, d'accueillir les gens. On les accueille comme ça. Donc, pourquoi du jour au lendemain vouloir totalement changer les règles? Oui, il y a des choses qui peuvent être améliorées. Certains accommodements peuvent être faits, d'autres non. Mais, en tout cas, je pense qu'au niveau des burkinis, je pense que ça a dégénéré un peu comme débat là, dans l'actualité. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves dans la société en ce moment qui se passent, dont on doit débattre. Tout à fait d'accord. Et le dernier argument contre? Donner du temps. Donc, IT qui nous dit « Je pense que dans quelques générations, il n'y en aura plus. Il faut laisser du temps aux gens de changer leur rapport au corps. On ne peut exiger d'une femme qui a reçu une éducation de se couvrir le corps, de se mettre en costume de bain, one shot. » Et elle avait rajouté un peu plus loin, c'est comme si on disait aux Québécois, à partir de demain, vous vous baignez nu. Peut-être qu'il y en a qui n'auraient pas de problème avec ça, mais la très grande majorité, on ne serait définitivement pas à l'aise. Donc, si notre but est de faire comprendre aux femmes qui sont soumises qu'elles peuvent être elles-mêmes sans être soumises, c'est le genre de travail qui se fait vraiment graduellement. Tu ne peux pas, en forçant des lois, je pense, il y a des efforts qui peuvent être faits justement pour les aider à s'épanouir. Mais pas du jour au lendemain, en tout cas. C'est mon avis. J'aimais beaucoup ce commentaire-là parce que, justement, on a tendance à oublier. C'est l'éducation qu'elles ont reçue toute leur vie. Donc, c'est leur faire comprendre du jour au lendemain, non, tu ne peux plus le mettre parce que telle valeur, nous, c'est nos valeurs, puis il faut que tu aies ces valeurs-là parce que tu es déménagé ici. C'est beaucoup, là. Puis j'irais même jusqu'à dire que même dans la pratique de n'importe quelle religion, au moment où on se parle, ça évolue à une vitesse tellement grande que même l'interprétation même de la pratique qui était conventionnelle change et évolue de personne en personne au niveau de la société. Aujourd'hui, tu vas voir une personne avec une croix dans le cou, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va à la messe tous les dimanches et qu'elle adhère à 100% de ce qui est dit dans la religion catholique, mais par contre, elle va tout de même se dire catholique, être pratiquante à sa manière et croire en certaines choses auxquelles elle ne voudra pas non seulement déroger, mais qu'on attaque sa façon de le pratiquer de façon personnelle. On sent ça un peu hein, dans la pratique d'aujourd'hui. Est-ce que je me trompe? Oui, exactement. C'est plus ce que c'était ici. La religion, c'est beaucoup plus personnalisé. Il y a des bons côtés à ça. Parce que si on recule dans les années 60, je pense qu'il y avait de l'abus, évidemment.
les gens ont plus le libre arbitre de réfléchir par eux-mêmes, d'avoir... Les gens peuvent se dire « Dieu est partout », même quand ils prient chez eux, exemple. Même si, pour moi, l'Église a toujours sa place et est très importante. Donc, mais c'est important de ne pas sauter de conclusion quand on voit une femme en burkini, de se dire « Tiens, c'est une femme soumise, son mari l'oblige à faire ça, puis dans le fond, elle c'est pas ce qu'elle veut ». Comme on le disait, il y a bien des arguments qui pourraient être que peut-être qu'elle est pudique, la femme, tout simplement. Peut-être qu'elle a choisi ça pour elle-même parce que c'est une personne religieuse. Puis un peu comme les femmes religieuses qui s'habillent modestement et avec le voile, etc. Pour des raisons pas de soumission. Et mais le voile catholique traditionnel ressemble beaucoup au burkini. Hein? Exactement. Et si tu vois en Italie, par exemple, à la messe en Italie, les femmes portent beaucoup le voile, comme ici, ça se faisait dans les années 50-60, mais là-bas, c'est encore quand même assez traditionnel, pas seulement pour les femmes plus âgées. Donc, il y a beaucoup de questions culturelles aussi qui entrent en ligne de compte et on l'oublie, ça. Puis ma réflexion va quand même encore plus loin. Ça ne m'étonnerait même pas que la signification même du burkini puisse évoluer dans le temps. Exactement. Et devenir peut-être un geste qui n'a pas du tout la même signification que celle qu'on a aujourd'hui à notre émission. Peut-être que dans 10 ans, 15 ans, ça va avoir une signification tout à fait autre. Exactement. Donc, je pense que ça pourrait aller jusque-là. Les choses évoluent, puis avec tous ces débats-là, c'est sûr qu'il y a des choses qui vont évoluer. Si ça se trouve, il y a peut-être des Québécoises qui vont se mettre à acheter des espèces de bien, j'ai pas osé le dire, mais c'est exactement le sens de ma réflexion. Oui, parce que moi, personnellement, à mon goût personnel, je suis plus à l'aise de voir une femme en burkini qu'une femme avec un string sur la plage. Parce que des fois, je vois des choses que je trouve ça n'a pas sa place, c'est déplacé, il y a des enfants, c'est juste trop. Et c'est mon goût personnel. Donc, moi, je pense qu'avec l'arrivée des burkinis, on va avoir de plus en plus de femmes qui vont se sentir plus à l'aise de mettre une robe soleil, de se mettre un wetsuit, de se mettre des pantalons pour aller se baigner, par exemple, parce qu'ils ne sont pas à l'aise autrement. Puis tant mieux, parce que l'important, c'est d'être soi-même. Comment trouver l'équilibre, hein? C'est le grand défi que notre société future et à moyen terme aussi a à relever. Définitivement. Ça fait beaucoup de bien d'en parler tout de même. Oui, comme première émission, on avait des on choses à dire. On peut dire que le sujet est très bien lancé, la saison est très bien lancée. Oui. Et puis, on remercie encore une fois les gens de participer via le net. Hein. C'est vraiment extraordinaire d'avoir ce privilège-là, de pouvoir avoir un contact direct avec les téléspectateurs directement à la maison chez eux et de pouvoir partager avec la population générale. Et c'est pas... Avec le web, on peut dire que c'est pratiquement mondial, de pouvoir partager les différents points de vue et essayer d'évoluer à l'intérieur de cette discussion-là. On ne prétend pas nécessairement changer le monde, mais au moins amener la discussion. Si ça amène la discussion, je pense qu'on va être d'accord tous les deux pour dire « mission accomplie ». Le but est atteint. On n'a pas la prétention d'avoir la vérité, c'est juste d'amener les gens à discuter, à penser des choses peut-être, des angles auxquels ils n'avaient pas pensé. On respecte le protocole numéro 1. Voilà. Merci beaucoup, Jocelle, de ta présence encore une fois à l'émission Le Pour et le Contre. Ça fait plaisir. Et au plaisir de venir la semaine prochaine. De se revoir la semaine prochaine. Merci.